On rentre à Melun. Toi, t'es contente, non? T'as, tu t'es fait toute belle en plus. Bon, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que j'étais un petit peu dégue quand j'ai vu que la crèche était fermée parce que j'avais prévu de faire du contenu vidéo et tout. Et c'est vrai qu'avec la petite, c'est un peu compliqué. Mais bon, au final, il y en a une qui est contente, c'est Elsa. Parce que bah, elle était un peu dégue qu'Elsa, que la petite soit à la crèche toute la semaine. Enfin, lundi, mercredi et vendredi. Et bah, au moins, je vais pouvoir me délester parce que c'est le terme exact. Dans mon réel, je me suis trompée. J'ai mis le mot délecter qui ne veut absolument pas dire la même chose. Délecter, c'est. J'ai vu, c'est savourer d'un plaisir avec sensualité. Comme par exemple, ce que je m'apprête à faire avec cette galette de riz anchois Saint-Mauré. Voilà. Là, je me délecte. Délester, c'est autre chose. Bon, je suis contente. J'ai réussi à tourner un petit réel make-up avec Chiara dans les parages. Elle a été très sage. Enfin, très sage. Elle m'a foutu un peu de ce côté-là. C'est pas grave. Pour le bien de ma vidéo, j'ai dit vas-y, amuse-toi avec ce qu'il y a ici. Donc, de toute façon, je vais vous le poster ce soir, je pense. T'aimes bien mon make-up, toi? C'est un oui, ça? Ok, super. Bon, bah, si tu valides, c'est déjà pas mal. Je vous spoil un peu, mais voici les quelques produits que j'ai utilisés. Donc, il y a du Fenty, il y a du Huda Beauty, il y a du Charlotte Tilbury et une marque que je ne connaissais pas, Milk. Donc, voilà, j'ai découvert et franchement, pas mécontente du tout. Merci d'ailleurs, Nice Work, pour m'avoir envoyé tous ces produits. Oui, c'est les ballons. Et oui, c'était ballon d'anniversaire.